En se réveillant un matin, après des rêves agités, Gregor Samsa, quel nom, se retrouva dans son lit, métamorphosé. Métamorphosé. En un monstrueux insecte, monstrueux. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles, par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. Qu'est-ce qui m'est arrivé, pensa-t-il? Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était là, tranquille, entre les quatre murs qu'il connaissait mieux. Eh ben, ça donne des frissons. Mais si je comprends bien, si depuis quelques mois je me dis la même chose, qu'est-ce qui m'arrive? Ça veut dire que moi aussi, je vais devenir un cafard. Une blatte. Une punaise. Punaise. Non, c'est pas possible, je deviens fou. Ça n'arrive que dans les livres, ça. Mais de quoi tu parles? Mais pourtant, je sens quelque chose de bizarre en moi. J'ai pas quelque chose de bizarre? Un truc bizarre, on l'a bien marqué. Mais non, je vous jure. Toi, regarde, tu sens pas quelqu'un à l'intérieur de toi, partout, ici? Et toi aussi, à l'intérieur, il y a quelqu'un là. Toi aussi, là? Même toi, à l'intérieur, partout. Et vous tous, d'ailleurs. C'est vous qui devez réfléchir. Il a dit qu'il ne pouvait pas le savoir.
Et en même temps, faudrait peut-être me tenir au courant quant à ce que je vais grandir. Faut m'envoyer un SMS. Ah, ouais, non, mais ne cherchez pas les filles, c'est des garçons. Je crois qu'ils fonctionnent pas comme nous. Ouais, on est des garçons. Y'a un problème avec ça? Non, mais c'est bon, vous avez une dégaine de loser. Des losers, vous avez des gros paumés, non? Vous allez voir, je vais vous prendre tous tout seul. Je vais toujours mettre la misère. Pense. Tu veux faire quoi là? T'as voulu la frapper? Dis que t'es paumé. Non, on en rend à mes lunettes. Dis que t'es paumé. Tu rêves. Elles sont mes lunettes. Elles sont pas dans mes mains en tout cas. Tu pourrais me rendre mes lunettes. Comment? Eh ben, tu vois quand t'es poli. Vous venez les filles. Paumé. Oh, vous avez vu comment j'ai géré? Ouais. Non, vous avez vu les gars? Ouais. Oh, je suis pas sûr, monsieur. Et si elles avaient raison? Mais pourquoi elles auraient raison? Bah, si on était vraiment dépaumés. Mais tu rêves! Toi, t'as au moins 4000 likes et followers sur Insta, moi j'en ai 6000. Même lui, il en a. Deux! C'est un bon début. C'est un début. Non, arrêtez, j'en ai plus. Et moi, les filles, vous pensez que je serai belle plus tard? Ouais. Et moi, vous pensez que je vais grandir? Ça dépend. Peut-être. Tu sais que ta maman n'est pas très grande, donc... Non, mais moi, tu vas voir, je serai grande comme ça. Garde espoir, t'inquiète. Hé, les filles, vous imaginez si on était dans un conte de fées, qu'on pouvait prendre notre miroir et dire « Miroir, oh mon beau miroir, dis-moi qui est la très belle ?» Pas toi. Pas moi. Toi, c'est ma grande toise. Serais-je plus grande que papa? Eh ben, t'es mal barré. T'as dit quoi? Non, pas pour casser en tout cas, je te casse en tout cas.
Performance. Devoir. Peur. Futur. Menace. Apparence. Détresse. Ambiguïté. Phobie. Crise. Adolescence. Révolte. Conflit. Violence. Tabou. Instable. Irresponsable. Grandir. Risque. Erreur. Performance. Devoir. Peur. Futur. Menace. Apparence. Détresse. Ambiguïté. Phobie. Crise. Adolescence. Révolte. Conflit. Violence. Tabou. Instable. Irresponsable. Grandir. Risque. Erreur. Performance. Apparence. Menace. Menace. Errance et métamorphose. Errance et métamorphose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont ces mots? Errance et métamorphose. Toute la journée, ma mère me dit: ah, mais regardez cet enfant, il est mignon, hein. Et il fait du 44, ce serait bien d'acheter des nouvelles chaussures. Mon père me dit: oh, mais regarde cet enfant. Regarde, oh, vous voyez ce petit poil de barbe? Ça, c'est pas rasé près, ça. Je trouve que ça fait un peu négligé. Ma tante me dit: oh, mais regarde, vraiment, je trouve qu'il est très très beau, hein. Mais ce serait bien de mettre de la crème pour les boutons, ce serait bien pour être traité, hein. Mon oncle me dit: alors, avec les copines, comment ça va? Ça roule? Laissez-moi le temps. Je grandis, et je grandis bien. Tic, tac, le temps. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ouais, mais nous, on n'est pas toutes comme ta sœur. On va pas passer notre temps à attendre.
Mais peut-être que les garçons peut les laisser venir quand ils voudront et quand ils seront prêts. Oula, t'as rien compris toi. Les garçons ils restent toujours en bande entre eux. Je vous dis moi, avec eux il faut s'attendre au pire. Ouais mais tu veux dire quoi par s'attendre au pire? Bon, les filles, il y a deux solutions. Soit on attend, soit on agit. Oh, je sais. On va fabriquer l'homme idéal à nos goûts. Et quand c'est à nos goûts, c'est pas par hasard. Mais attends, mais ça se fabrique pas un homme. Erreur, ça se fabrique. D'ailleurs, vous voulez comment le vôtre? Ah ben dans la moyenne, hein, 1m80-85. Super sportif. Ouais. Et très mignon. Oh, ouais. Trop romantique. Ouais. Et qui nous disent je t'aime. Ouais. Une bonne pâte, comme dirait ma grand-mère. Une bonne pâte. Il faut qu'on aille chercher les bons ingrédients pour le fabriquer. Allez.
Alors, c'est qui le loser? Ouais. Bon, les filles, l'homme parfait, ça n'existe pas. Tout comme la femme parfaite. Et en même temps, les défauts, faut pas les gommer. C'est pas si négatif que ça, c'est très positif. La vie, faut la kiffer, c'est beau. Moi, je la kiffe, c'est beau ça. Hé, hey, Didier, on a porté un truc pour ça. C'est mon album photo de famille. Ouais, ouais, c'est sûr. On peut pas voir tes photos. Alors, ça, c'est moi quand j'étais tout petit. Et là, c'est la maison où j'habitais. Ça, c'est ma mère. Elle était vraiment belle. Mais elle n'est plus là. Ça, c'est mon père avec ses collègues. Bon, depuis, il a perdu les cheveux. Ça, c'est moi, Henri, Jacques et Joseph. On était en CP ensemble. Et ça, c'est moi à la plage. Et comme vous pouvez voir, je fais des châteaux de sable. Bon, les gars. Depuis, j'ai grandi. Et je suis plus un enfant. Mais je suis pas encore un adulte. Je bricole tout seul et je suis un drôle de collage. C'est la peine, mais bonjour.
bête pour ce n'est plus. Les filles, je viens de comprendre un truc essentiel au musée. Ah ouais? Les gens, il faut les aimer pour ce qu'ils sont. On s'en fiche des différences. Je suis désolée, j'ai vraiment été odieuse avec toi. Remets tes lunettes, t'es trop belle. Je vais dire à Alex. Oui, elle est gentille. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment elle va, Alex? Ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Ah ouais? C'est Alex. Quoi, Alex? Il m'a quitté. Tu vois? Oh my god. Oh, ça m'a les cœurs brisés. Et puis en plus, par texto, c'est trop la loose. Oh, je suis désolée. Ouais, moi aussi. Mais s'il m'a quitté, ça veut dire que je vais me retrouver toute seule? Quoi? Non, 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 ça va aller. T'inquiète pas. Thank you.
Mais oui, il n'y a pas de la même chose.
Voilà, parfait, parfait, c'est bon là. C'est ça exactement, on descend juste un petit peu plus. Tout doux, loulou. 50 cm, c'est ce qu'il faut. Exactement. Parfait. Et les filles, regardez ce que j'ai trouvé, c'est pas trop beau? Ouais, c'est trop beau, c'est même magnifique. Mais t'as qu'à aller l'essayer? Oh ouais. Il y a un petit problème, il n'y a qu'une cabine. Bah on y va toutes les trois. Ouais, allez. T'as trouvé les chaussures que tu cherchais là? Pas vraiment, non. C'est surtout la taille, ok, j'ai des problèmes. Ouais, mais moi aussi, c'est incroyable, je trouve pas la bonne taille. Oh les gars, vous avez vu mon t-shirt? Ouais. Relax. Ah, je vais aller l'essayer, hein. Attends, les gars. Vous avez pu prévenir quand même. Oh my god, mais ça va pas du tout. Mais c'est trop petit. C'est trop grand. Ah mais elle est beaucoup trop courte cette jupe. Mais c'est beaucoup trop serré, ça me fait un garrot. Mais c'est beaucoup trop long. Ah mais c'est moche. Moi, c'est parfait. Est-ce que vous avez pensé aux chaussures? Et aux chaussettes? On va devoir les jeter. C'est vrai qu'on a beaucoup trop grandi. On part. Ah ben enfin, depuis le temps. On y va vraiment là?
Ouais, mais alors on va tous ensemble. Ça y est, c'est le départ, je suis trop contente. En route, les gars. Ok, mais on va où? Non, mais t'as rien compris, hein. On a fait tout un spectacle dessus. On va vers l'avenir, le futur, notre destin. Vers la liberté. Fini l'enfance, à nous la vie d'adulte. Papa, file-moi les clés du T-Max. Et on va au revoir, capitaine papa. À plus, commandante maman. Nous, on est prêts. Certains sont sur le plateau ce soir avec nous, ils vont nous rejoindre. D'autres ont fait la création hier soir, donc je vous demande de les applaudir et je vais les appeler un par un, ceux qui sont sur le plateau. Alors, nous avions avec nous ce soir le collège de l'Eau Vive de Breil-sur-Roya, professeur Madame. Thank you.
jeunes, l'école primaire de Breil-sur-Roya, directeur Monsieur Laurent Bourreau. Avec nous également, le collège de Carrosse, Paul Langevin. Et Madame Olivari Magali. Également présent avec nous, le Parc Impérial de Nice. Ayant participé à la création hier, je vais prendre le temps de les nommer aussi, on pourra les applaudir. Nous avions hier sur le plateau le collège Don Bosco de Nice, Madame Crash Grigini. L'Institut Stanislas de Nice, direction du professeur de musique, Monsieur Clet Patrick. Le collège de Lyon avec Madame Sabatini, Laetitia. Le collège Matisse avec Mme Florent Aria et Mme Gasparini Hélène. Ils sont extraordinaires parce que ce soir, ils sont venus du Moyen et du Haut-Pays, de Breil, on l'a dit. Je dois oublier aussi, ces enfants ont fait 1h30 de car pour me rejoindre. Aussi le collège de Vésubie-Robillière avec Monsieur Dumas. Et la partie plus jeune aussi, l'école primaire de Robillière, directrice Madame Fabienne Autobruc et. Je n'oublie pas les professeurs du conservatoire de musique, ainsi que, je les salue ce soir, toute mon équipe administrative qui vous a accueilli. Alors, le grand cœur, puis aussi un petit cœur extraordinaire. Il est extraordinaire parce que préparé par une jeune chef de cœur très talentueuse, et j'appelle à mes côtés Madame Marianne Content. Les merveilleux danseurs du centre de formation de danse of jazz. Les tableaux, donc dirigée ce centre par, elle est avec nous ce soir, elle a fait aussi les chorégraphies, Madame Martine Kessernian. Assistée également de Mme Lorella Denis et Cathy Onis. Le plateau avec nous, de merveilleux instrumentistes, deux percussionnistes, Daniel Champolini. Marc Chantreau. Et une merveilleuse pianiste qui accompagne aussi le petit cœur de Beaulieu, Emmanuel Jaska. Vous avez vu aussi ces merveilleuses vidéos. Alors, c'est une personne en particulier qui a dirigé en tout cas tout ça, qui a fait également les costumes.
et les maquettes vidéo, j'appelle Marco. Et Marco était assisté, vraiment un grand grand merci, parce que je sais qu'il a énormément travaillé vu le temps imparti. J'ai le plaisir d'accueillir celui qui nous a assisté, Jorma Loringhet. Peut-être avez-vous remarqué la première annonce, elle a des dons pour faire la voix d'hôtesse, mais elle est surtout comédienne, metteur en scène, magnifique assistante, metteur en scène, Isabelle Servolle. Et ils vont nous rejoindre, bien sûr, monsieur Orlando Furioso, pour la mise en scène. Pour soigner certains petits bobos. Et puis, avant de reprendre ce numéro qui clôturera notre spectacle, je veux encore une fois remercier toute l'équipe du TNL, la direction, les équipes d'accueil, le merveilleux personnel technique pour le son, pour la lumière. Merci beaucoup. Monsieur. C'est terrible, j'ai oublié les scarènes, alors on va les applaudir deux fois plus. Thank you.